Good morgen, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Abraham Chayonor Ben Fortuné Mazel Dov Ben Yehudit Micha Machlouf Ben Masoudan Achman Yosef Ben Achoum Yaakov Nissim Ben Chana. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, qu'on est 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet Mila Peri Dalet Mishnah Dalet Apigoul, Vanantaren Mitsarfim Zeimze, Mipenei Shehem Shnei Shemot, Asher Etzva Nevela, Vechen Nevela Ubesar Amet, Ed Mitsarfim Zeimze, Letame Afilu Kekal Shebishnehem. האוכל שנטמא באב התומה ושנטמא בבלד התומה מצטרפים זה עם זה לטמא כקל שבשניהם. משנה כמרוצים ללבם פרנסיפ עובר דפיל דבי דו שפיתח כי באמת הון אפליקציון לרגל הפריז דון המשנה הפרסטנט. ג'ומי אקספליק. יא, דון התורה, דון פלוזור דומן, דז אינטרדי, אולי תורה הפיקסי די קונטיטי רוקיז פורטרנס גרסל אינטרדי. ספט ארכזאית, ספט כעדשה, ספט parfois plus, du côté vête, on aura l'occasion de découvrir encore d'autres. Maintenant, dans un même interdit, la Torah parfois inclut plusieurs espèces. La question est de savoir, est-ce que ces espèces s'associent ensemble pour composer la quantité requise pour transgresser l'interdit? Et on avait appris maintenant, dans la Mishnah précédente, on avait une règle de Rabbi Yehoshua qui nous enseignait que, par rapport aux lois d'impureté, l'impureté, c'est très vaste. Il y a plein de choses qui véhiculent de l'impureté. Ça peut être des choses qui vont sortir du corps humain, ça peut être des reptiles, des huit rampants reptiles que la Torah a explicité, ça peut être encore toutes sortes, ça peut être un cadavre d'animal, ça peut être un cadavre d'humain. Il y a toutes sortes de choses qui vont véhiculer l'impureté. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ces choses-là s'associent entre elles pour former la quantité requise ou pas? On avait appris une règle qu'on révoquera dans quelques secondes, quand on arrivera dans la deuxième partie de la Mishnah. Pour le moment, on commence avec la première partie qui n'a pas besoin d'entrer dans tellement de considérations, qui me dit comme ça. Apigul ve'anotar en mitztarfim ze'imze, mipene shehen shneshemot. Littéralement d'abord, et l'explication ce ne sera pas ce qui est littéral, mais d'abord je traduis littéralement. Le pigoul et le notar. Le pigoul, c'est un corban qu'on a offert avec une mauvaise intention, intention de le manger au-delà des limites de temps. Il y a un interdit de carrette spécifique sur ça. Notar, c'est un corban qu'on a bien fait, mais qui a passé sa limite de temps permise. La Mishnah m'enseigne, sache que ces deux interdits-là ne vont pas s'associer ensemble. Pour quelle raison? Nipenei shehen shnei shemot. Car ils sont deux noms, c'est-à-dire deux sortes d'interdits différents. Et je m'explique tout d'abord que dans la Torah, on va prendre les interdits qui sont interdits à la consommation. Il y a par exemple la nevela, un cadavre on a dit, et une espèce impure qui n'a pas les sabots fondus. L'un, je transgresse si je mange un kazaït, l'autre, je transgresse si je mange un kazaït. Qu'est-ce qui se passe si je vais prendre un demi-zaït de l'un et un demi-zaït de l'autre? Donc je compose maintenant la quantité requise pour transgresser un interdit. Mais c'est ni lui ni l'autre. Eh bien, de manière générale, ces deux choses-là ne vont pas s'associer, parce que Mipene Shehem Shne Shemot, parce qu'ils sont deux noms d'interdits. Il y a deux dossiers. Un dossier, c'est ne pas manger des aliments abattus sans shrita. L'autre dossier, c'est manger des espèces qui sont propres à la consommation, et pas cela. Et dans ce cas-là, tu as enfreint un peu l'un et un peu l'autre, tu n'as rien enfreint concrètement. Ça, c'est une règle générale, maintenant. Je reviens sur notre Mishnah. La Mishnah semble nous enseigner la même halakha, sauf qu'elle est fausse, la halakha, et que la Mishnah prend une autre consonance. C'est-à-dire, de prime abord, il y a deux interdits au Patamikdash. L'interdit de Pigoul, c'est une chose, l'interdit de Notar, c'est une autre chose. Il y a encore l'interdit de Tamé, on aurait pu le rapporter aussi. C'est encore une autre chose. Tu n'as pas le droit de manger ça parce que c'est Pigoul, tu n'as pas le droit de manger cette viande-là parce qu'elle est Notar, c'est deux choses différentes. Donc de ce fait, selon ce principe, la Mishnah semble me dire. Si tu prends la moitié d'un pigoule et la moitié d'un notar, tu les manges deux ensemble, tu n'as pas eu la quantité requise. Cependant, cette halakha est fausse, parce qu'il y a un pasouk, il y a un nom Tosot Yom Tov, si vous voyez, et il nous dit le Tosot Yom Tov, il y a un pasouk rapporté qui nous dit Lo yochal ki kodesh hu, ki kodesh hem. Pourquoi marqué ki kodesh hu? Le pasouk c'est ki kodesh hem, c'est déduit du mot hem, c'était rapporté dans l'Antivert d'Israël, je ne sais pas s'il n'y a pas une faute ici ou je ne sais pas. En tout cas, il y a une insistance dans le pasouk qui inclut tous les interdits de Kodshim sous un même dossier, sous un même titre. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un pasouk qui vient qui me dit, tu sais, au Beth Amikdash, tu as certes quatre formes d'interdits, comme si de manger du pigoule, du notar, du tamé. Ouais, il y a plein d'interdits. Sache que malgré tout, on va tout englober dans un seul interdit,
que tu ne mangeras pas les choses qui sont pas bien dans leur kdusha. Ça implique quoi? Pigoul, notartamé, tout rentre dans la même famille. De ce fait, un morceau de pigoul et un morceau de notar vont s'associer pour transgresser un interdit. De ce fait, qu'est-ce que la Mishnah me dit qu'ils ne s'associent pas? Alors en fait, il faut parler d'autre chose. Et alors là, ça se complique, vous comprenez? Il y a la Mishnah qui semble dire une chose. Attention, regardez, le Barthénora n'a pas dit un mot sur ça. Le Barthénora, il est parti nous enseigner la Mishnah comme il fallait pas l'enseigner. Regardez, il a juste une petite explication. Il y a deux noms d'interdits. Shem Shne Lavim. Ils sont deux sortes d'interdits. Mais cette halakha, la Gemara a dit que c'est faux. Il faut pas interpréter comme ça la Mishnah. Mais alors, comment il faut interpréter la Mishnah? Il y a une Touma particulière qui a été décrétée sur certains aliments du Beth Amikdash qui sont devenus impropres à la consommation pour que les Kohanim s'en écartent. Ouais, imaginez une viande qui a passé, qui a eu une mauvaise intention lorsqu'on l'a offerte. On pourrait avoir des Kohanim qui vont être tentés à vouloir la manger. Bon, pigoule, ça va, c'est pas grave, oh, arrêtez-vous avec. Oh. Ouais, on aurait pu comme ça, on aurait avoir des Kohanim qui vont commencer à discuter et à contester le fait que ce soit interdit. Ils sont venus, ils ont mis une super barrière sur scène, ils ont dit, vous savez quoi, si tu touches cette viande, t'as tes mains qui vont devenir impures. Tu devras repartir au Kior là-bas, au Beth Amikdash, un endroit où il y avait le Kior, pour te laver les mains pour pouvoir refaire, pour pouvoir continuer à toucher des kochim. En décrétant une impureté comme ça, alors on a gagné que les Kohanim, du coup ils ont très peur. C'est très marrant, c'est très original. Les gens, ils ont plus peur de l'impureté qu'un interdit. Il y a toutes sortes de. C'est comme un peu les. Il voit de la superstition dans l'impureté, qui est peut-être vrai aussi, je dis pas. Mais transgresser aussi la Torah, c'est aussi. Les superstitions, ils devraient aussi en avoir peur. Mais je ne sais pas pourquoi, en tout cas, on va se mettre à pouvoir parler de bêtises à table le Shabbat, mais si on va avoir du sel qui va se transformer, là, c'est plus en écrime, parce que c'est chez les superstitieux, du sel qui se renverse sur une table, c'est je sais pas quoi, ça peut. Ça fait qu'il y aura moins de sel à se mettre sur le pain, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a. Ouais. De manière générale, enfin, je reviens ici, ça, psychologiquement. Allez comprendre, mais c'est comme ça. Si on me dit, vous savez, c'est tamé, si tu touches, tu dois te faire Netilat Edaim, le gars, il va toucher les mains, il va avoir l'impression qu'il y a un esprit impur qui flotte sur ses mains, il va devoir partir faire Netilat, il va plus toucher le pigoule. Mais si on lui dit, non, il y a un issour karet sur le pigoule, eh ben, il va commencer à discutailler et trouver peut-être des petites failles pour pouvoir le manger tant bien que mal. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, Chachamim ont fonctionné dans ce sens. Ils ont dit, vous savez quoi? Pigoule, ça impurifie les mains. Notar, ça impurifie les mains. La Mishnah vient me dit, par contre, sache qu'un demi-pigoule et un demi-notar, ça ne s'associe pas pour cette impureté-là, parce que comme cette impureté, elle est que Midrabanan, on a une grande règle. Quelque chose qui interdit Midrabanan, alors on ne va pas faire un deuxième décret, ça s'appelle faire une Xera, c'est très vaste comme sujet, mais en tout cas ici, en l'occurrence, c'est comme ça que c'est interprété. On ne va pas mettre une barrière à une barrière. Déjà, c'est une barrière qu'on a mis en décrétant cette impureté. On ne va pas, en plus de ça, te prendre la tête à associer deux choses qui sont distinctes. On a fini avec la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, je commence à la traduire, c'est une application directe de ce qu'on a appris, de la règle apprise de Rabbi Yoshua qu'on a expliqué tout à l'heure. Hacheretz va nevela, on commence avec le premier exemple. Le Sheretz, donc c'est les reptiles, les huit shratzim, les huit reptiles qui véhiculent une impureté lorsqu'ils meurent. Pour rappel, la quantité requise, elle est ka'adacha, comme une lentille. Va nevela, et c'est un cadavre d'animal. La quantité requise pour véhiculer l'impureté, cette fois-ci, elle sera de 1 zaït. Alors c'est vrai que si je touche un reptile mort, devient impur jusqu'au soir. Et un rampant plutôt, plus qu'un reptile, parce que ça inclut aussi la souris. Si je touche donc un morceau de souris, de rat mort, un petit bout de kadacha, je suis impur jusqu'au soir. Si je touche un kazaït d'une nevela, d'un cadavre, d'animal, je suis aussi impur jusqu'au soir. Qu'est-ce qui se passe si maintenant dans la nevela, il n'y a pas la quantité requise? Il lui manque une petite miette, l'équivalent d'une demi-lentille, une demi-adacha. Donc, je le touche, je deviens plus impur, premièrement. J'ai à part ça un demi-chéretz maintenant, un demi-adacha de chéretz. Si je le touche, je ne deviens pas impur. Je colle les dents en même temps et je touche le tout. Est-ce que je suis impur jusqu'au soir? Et sur ça, il nous avait enseigné Rabbi Yoshua, non, des choses qui n'ont pas la même quantité requise pour véhiculer l'impureté, ou deux choses qui ont besoin de la même quantité requise, mais qui véhiculent une impureté plus intense que l'autre. Comme c'est le cas de la suite, que Vechena Nevela ou Bessaramet, un cadavre d'animal et de la viande, un cadavre d'un humain. C'est la même quantité requise pour la viande, la chair humaine, qui rend impure. C'est un kazaït. Il y a des différences si c'est les os, ou si c'est la chair, ou si c'est un membre entier,
Si Rekev, il y a plusieurs halakhot. En tout cas, pour la viande, là, un morceau de chair uniquement humain, il faut qu'il y ait un kazaït pour véhiculer l'impureté. Donc regardez, kazaït, kazaït. Peut-être qu'ils vont pouvoir s'associer un demi-zaït de l'un et un demi-zaït de l'autre. Non, ils n'ont plus le même niveau d'impureté. C'est-à-dire donc deux choses, deux sources d'impureté qui ont des quantités requises différentes, ou bien qui ont la même quantité requise mais qui véhiculent des impuretés de niveaux différents. Ils ne pourront pas s'associer pour véhiculer même pas l'impureté la plus légère de parmi les deux. C'est-à-dire que si je touchais un demi-zaït d'un mort en même temps qu'un demi-zaït d'un cadavre de vache, je n'aurai aucune impureté. Je reste pur. D'accord? On ne va pas dire, ah, mais de toute façon, si le mort, le cadavre humain, il va te véhiculer la très forte impureté, au moins qu'il s'associe, au moins pour véhiculer la petite impureté en s'associant avec l'autre. Non, il n'y a pas. Ok? Maintenant, on continue à la fin de la Mishnah avec quelque chose qui pourrait paraître comme une exception à la règle, en l'occurrence, même si la raison, elle est assez délicate, c'est subtil. Personnellement, je n'ai pas compris la profondeur. Je vais la répéter quand même, je vais répéter ce qui est écrit, mais... Aochel shenitma be'avatuma. Maintenant, on va parler d'une nourriture qui a été impurifiée. Je vais prendre un cas de deux abricots. Comme ça, il n'y a pas un kazaït dans chaque abricot, je sais pas. Mauvais exemple. On va prendre... Bon, peu importe, de ce que vous voulez, deux pommes. Aochel shen... Deux pommes, on va prendre deux pommes. J'ai une raison pourquoi, vous allez voir. Aochel shenitma be'avatuma. Une pomme a une nourriture qui a été impurifiée par un avatuma. Donc on avait par exemple la pomme, elle est entrée en contact avec quelque chose qui a véhiculé une forte impureté, un chéretz, un cadavre. Donc un cadavre, d'accord, ça suffit, ça véhicule une impureté forte, c'est avatuma. Vous savez qu'il y a, peut-être qu'il faudrait que s'introduise d'abord, c'est quoi avatuma, vladatuma, et chenilatuma, shlijilatuma. Il y a la famille des gens impurs, vous avez déjà entendu parler, il y a Avi Avatatuma, Avatuma, Rishon, Sheni, Shlishi, famille de 5 et même 6 personnes en fait. Il y a, on parle de famille, mais en réalité, il y a 5 niveaux de Touma. Il y a, de manière générale, quelque chose qui devient impur, eh bien, il va souvent retransmettre son impureté à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre. Il y a des règles, c'est assez vaste, complexe. Ça inclut beaucoup de paramètres. Mais en tout cas, en cas classique, si jamais il y a eu une pomme qui est entrée en contact avec un mort, avec quelqu'un qui a touché aussi un mort, si je touche un mort, je suis avatuma, je touche un animal, un fruit mouillé maintenant, je l'ai rendu Rishon la Touma. Moi je suis avatuma, lui je l'ai rendu avatuma. Rishon la Touma. Si maintenant cette pomme-là va toucher un machke, par exemple, une boisson, ou même parfois d'autres aliments, mais c'est beaucoup plus complexe, c'est très vaste, il va le rendre sheni latouma. Quelle est l'importance de devenir rishon ou sheni latouma ou shlichi latouma? C'est parce que plus on va s'éloigner de la source d'impureté, plus l'impureté elle va être diminuée, elle va être moins capable d'impurifier d'autres choses. C'est-à-dire que si un avatouma, en l'occurrence, il est capable de toucher quelqu'un, un humain pour le rendre Rishon la Touma. Si je vais toucher par contre un aliment qui va devenir donc Rishon la Touma, c'est l'aliment ensuite il va toucher. L'humain il va plus le rendre Sheni la Touma parce que Rishon c'est Sheni dans les aliments mais pas dans les hommes. Il y a comme ça, il y a des tas de règles. Il y a des tas de règles de niveau d'impureté. Plus on va s'éloigner de la source d'impureté, plus l'impureté elle sera difficile à être communiquée. On va arriver par exemple, une fois qu'on est arrivé à Sheni la Touma, on ne va pas faire shlichi la touma, ça n'existe pas, shlichi la touma dans ce qui est chouli, dans ce qui est profane. Il n'y a que dans ce qui va être de la trouma ou dans des kochim, on va se retrouver avec des situations où ça va devenir impropre à la consommation. C'est-à-dire qu'on va avoir une pomme qui va se mettre à toucher une autre pomme, ou du vin, ou peu importe. Si la pomme, elle était chenille, elle ne va plus faire shlichi. Mais si c'était du vin de trouma, c'est devenu impropre à la consommation. Si c'était du kochim, des kochim, des korbanot, eh bien, il va le rendre shlichi pour que si le korban, il va toucher encore autre chose, il va véhiculer encore une autre impureté. D'accord? Il y a comme ça. Vous avez compris le principe, il y a toute une hiérarchie en fait. Plus on est bien placé dans la hiérarchie, plus on est capable de rendre impur d'autres choses. Ok. Maintenant, on va prendre un cas de deux pommes. C'est le cas de la Mishnah qui me dit. Il y a Aochel, Shenitma, Be'avatuma, Be'Shenitma, Be'Vladatuma. Deux nourritures. Une qui a été impureté avec un Avatuma, donc elle est devenue Rishon. L'autre qui a reçu l'impureté avec un Vlad, donc qui est devenu Sheni. Donc en fait, on a maintenant deux pommes.
Une qui est Rishon la Touma, et l'autre qui est Shenit la Touma. Mais c'est pomme et pomme. Maintenant, quelqu'un vient, coupe un bout de pomme de l'une, un bout de pomme de l'autre, moins de un zaït, ou plutôt moins de un beitza, parce qu'il faut un beitza pour véhiculer l'impureté. Il prend un bout de chacun, mais il les colle ensemble, et puis maintenant, il va, ces deux bouts maintenant vont toucher, ils vont tomber dans du vin. D'accord, ils vont, maintenant la question est de savoir ce qu'on a rendu le vin impur. Est-ce que un Rishon la Touma et un Sheni la Touma, premier niveau, deuxième niveau, enfin, ouais, est-ce que Rishon ou Sheni la Touma, est-ce qu'ils vont s'associer pour rendre du vin de Touma impur, pour le rendre éventuellement Shlishi? Est-ce qu'en fait on va dire, ben écoute, quand tu es niveau Rishon, tu es à la fois Rishon et Sheni Shlishi. Selon le principe apparemment de Rabbi Yoshua, on aurait dû dire qu'on va pas, ils ne vont pas pouvoir véhiculer l'impureté, parce qu'ils n'ont pas le même niveau. Mais en réalité, ils vont effectivement véhiculer l'impureté. C'est une halakha particulière sur les aliments qui ont été impurifiés. Une halakha particulière sur les aliments qui ont été impurifiés, que... Et je ne vais pas donner l'interprétation pour le moment, je le dirai après, d'accord. Je préfère d'abord rester sur la Mishnah. La Mishnah me dit, bah, tu sais, maintenant, s'il y a un ochel shenitma b'avatuma, donc on a dit une nourriture, une pomme, qui a été impurifiée avec un av atuma, et l'autre, veshinitma b'avatuma, une autre pomme qui a été impurifiée avec un vlad atuma, donc... Un, il est devenu maintenant niveau 1, l'autre, il est devenu niveau 2. Ouais. Et ensuite, quoi? La Mishnah me dit, ben, mitztarfim zeimzel etame kekal shebishnem. Ils vont pouvoir s'associer pour véhiculer ensuite l'impureté comme le niveau le plus léger de parmi les deux. C'est-à-dire que si on a un niveau 1, on a la pomme qui est niveau 1 et la pomme qui est niveau 2 ensemble, puisque le niveau 1, il n'est pas capable de véhiculer l'impureté, mais il est capable de s'associer, il est apte à s'associer avec le niveau 2, pour véhiculer l'impureté, on va dire, ben ensemble, ils vont véhiculer une impureté de niveau 2 pour le rendre niveau 3. On ne va pas dire que les deux ensemble, ils vont former le niveau 1 pour rendre le niveau 2 impur, non. Parce qu'il n'y a pas la quantité requise du 1, mais il y a la quantité requise du niveau 2, moins 2. Donc maintenant, ils vont s'associer pour véhiculer l'impureté au niveau 3, et rendre niveau 3. D'accord? Ça, c'est déduit d'une logique, c'est pas un pasouk. Il rapporte, la raison, la Gemara explique la raison, que... Le niveau 1, il inclut le niveau 2, cette fois-ci, à la différence des cas précédents, il y avait différents niveaux d'impureté. Alors, il est vrai qu'une impureté forte n'inclut pas forcément l'impureté plus légère, parce que chacun a son domaine, c'est vrai, mais spécifiquement, sur la hiérarchie, étant donné que la pomme de niveau 1, elle est capable de rendre une autre pomme niveau 2, et donc puisque elle, la 1, elle rend... La moins 1, elle est capable de rendre impur la niveau 2, alors on considère qu'elle possède aussi le niveau moins 2. Pas que le niveau moins 2, mais même le niveau moins 1. Et de ce fait, pas que le niveau moins 1, mais même aussi le niveau moins 2. Donc elle va s'associer toutes les deux avec le niveau 2 pour en fait rendre impur le niveau 3, d'accord? C'est comme ça que c'est interprété. Vous pourrez le retrouver ici dans le Tiferet Israël, dans le Malchut Shlomo, il rapporte cette Gemara. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov.